Au programme de ce mois d'octobre, trois comédies de qualité, et c'est suffisamment rare pour qu'on puisse le remarquer. Alors on a notre coup de cœur, Au témoin d'un doute, de Karine Tardieu, avec un vrai couple de cinéma qui devait se rencontrer, François Damiens et Cécile de France. Bonsoir. Mais c'est quoi ton métier ? Moi je suis démineur. Démineur de quoi ? Démineur de bombes. De bombes. Et puis surtout, ce qui est très important dans une comédie réussie, ce sont les seconds rôles. Et là, il y en a vraiment d'irrésistibles. Tous ses défauts, il a hérité de sa mère. Et de toi ? Il a hérité quoi de toi ? On a également Le Redoutable de Michel Hazanavicius, qui partage la critique, mais nous on a beaucoup ri. C'est pas un biopic sur Jean-Luc Godard, mais voilà, on s'amuse beaucoup. Monsieur et Madame Nous ont eu une fille, ils l'ont appelée Marion. Marion Nous ? Oui, mon amour. Marion Nous. Et enfin, la dernière production du tandem Toledano-Nakache, qui s'était illustrée bien sûr avec Intouchable, et qui nous livre une comédie absolument délirante, extrêmement rythmée, avec des personnages croqués avec finesse. Non mais souvent on a des problèmes, on les comprend pas vos textos. Pas du tout, hein, je suis pas... Tenez, regardez si vous voulez. Et pourquoi il a écrit ça ? Et c'est sûr qu'autour de ce mariage, on va forcément s'y reconnaître. L'autre jour, vous m'avez envoyé merci Seb pour ton gentil massage. Tu vois, voilà, ça c'est ce putain de correcteur. Les Mardis de l'Art sont des rendez-vous autour de films d'artistes ou d'œuvres en compagnie de José Sicard, spécialiste en histoire de l'art. Et le mardi 17 octobre sera consacré à Egon Schiele avec le film du même nom. Et on se retrouvera juste après pour en parler. Cinéma animé est l'événement de la rentrée consacré au cinéma d'animation. Au programme, 5 films, un atelier de découverte du praxinoscope sur réservation et un goûter pour un moment à partager tous ensemble. Ça se passera les 21 et 22 octobre. Le programme est à retrouver sur notre site lespetitsecrans.fr, notre page Facebook et bien sûr à la caisse du cinéma.